D'abord, il faut qu'on rappelle bah, Congolais Nyonso que la loi proposée par les docteurs Noé Tchani Mwadian Vita est allée loin pour discriminer mon côté. On a été dirigé pendant 18 ans avec des prédateurs. Bateau, bah, Zumbo, Cannabis, bah, BBC, Économie, Amboka, tout ça, la Congo, tout ça, moins de 3 milliards de dollars, le quoi, budget Amboka. Tout ça, la Congo, tout ça, bateau, bah, Tongi, Banda, Kwebele. La majorité, ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque Totali Yango, tu dis non, nous voulons maintenant remettre la dignité au peuple congolais. Topé Sabango responsabilité au Bakoti Kubango Moko Jéré Mbokanabango en toute loyauté. Le réforme sur l'économie, le réforme de la Banque Centrale, il y a beaucoup de choses que Noël Tchani a proposées. Mais il s'est dit, pour que ce plan soit pragmatique et à l'exécuter, il faut les exécuter par les Congolais de père et de mère, c'est-à-dire de personnes qu'on ne peut pas douter d'eux, autocoyer Topé Sabango responsabilité. Donc remettre tout sur les rails, ça c'était ce que le docteur Noël Tchani a proposé. Qu'on remettre sur les rails veut dire quoi? On ne veut plus à partir d'aujourd'hui, tous dans la Rwandais, bas Burundais, bas Zambiens, bas Juifs, bas Grecs, bas diriger la République démocratique du Congo. Voilà, mbote ba tata ba maman, ba chère internaute, bino e belé botondi libosu ba téléphone, bino to lobara toujours to mesani bongo ba télévision kasi bino zara toujours accro na ba téléphone na bino pona kolanda actualité ya mboka kolanda biso ba eto pesa kapé bino ba nzela ya kozo ba canal ya kolanda bato bazaka na maloba kitoko to lobi à travers votre émission Bosomi ya Congo, Bosomi ya mission ya Congo ezali émission monene oyo lekaka bongo na Club Boa chaîne ya YouTube monene elanda mibongo na bande ko ebele ba diaspora bolinga ka yango topesaka toujours matondi na kolonzambe wapesa biso pema ya bomo wapesa biso makoki ya kotambola po kitoluki la bino ba acteur politique ba ndeko nyonso ba ndeko kolobela mboka na ndenge ya solo bazali maloba kitoko bango nde tuluka bango à travers votre émission Bosomi ya Congo pe Club wa YouTube kitoko oyo bozali kolanda tika to pesa merci na mwana mboka pitu manga ya Babil Boss led ye penza zali wana pembeni ya Mbanda de la Nation balobi soki o ngola information malamu kota na page Facebook utapeka ka pitu manga ya okozwa pe actualité ya mboka na biso kasi lelo tozali na mwana mboka babengi na kombo ya Eric Tshiswaka ye penza za kutumita ku presenter te fo ole kabu okuta ye ozonga na télévision okuta ye ok na internet c'est Eric Tshiswaka. Le tozali na yeto brosser actualité en Bokezali makasi boyebi déjà affaire loi portant sur la congolité ya Noël Tchani ya onde tokobeta masololo kasi tozo kobeta pe masololo ba sujet mususu toko développer ngo tolo émission na biso tika to pesa mbote na balandi minene kuna na Paris na moni bongo Rigan Ngambo le boss de Paris Rigan Ngambo bambote na yo poza ko landa mingo bi mwana mboka luka bato ya mayele kaka ningo soko continue na balobela kabiso actualité pourquoi pas Racine Ndombi de Paris mwana mboka kitoko po yo penza kala mingi te masole ko zala na yo esika moko to pesipe ba duve balobi Hervé et Biba bosela ngaka kitoko kolia bien e ya kapo esala pe biso makasi mwana mboka Eric Tshiswaka. Ah, ce qui n'a pas si cordon à Bissot Franklin Botete. A Colobayo, Pendo Koutena, Eric Tshiswaka, Pessinga, Botete. Botenaio. Botenaio, Pé, Botenaba, l'Andignan, c'est un club boa. Topesi Bangombo, Topesi population congolaise, Nyonso, Mbote, Topesi Batonion, c'est des pères et des mères. Topesi Bangonion, c'est Mbote. Des pères et des mères. Y'a un des masolo, parce que, en tout cas, Tolobayo, moi, qu'on se le dise, c'est ça l'actualité, père et des mères. Donc, nani za congolais na zana na imo congolais te tokoy ba yango kasi mona mboka ozam te mayeli tang masolo e bandaki e ki e matik kreno a moment donné c'est le kola mwa ko limwa tolobi a batiki yango batiki me bu e komi na maboko ya mona mboka oyo babengi Noel Tshani ape songi pa député na biso tingi pululu mokola lobby e zala ki bongo jeudi a komisi yango na parlement tozo kozela suko to li alubi wana 250 députés wana sima makambo wana est-ce que vraiment ndenge koti kuna zo ko pesa espoir ke kozala voter
est-ce que Penza ndenge ba démarche à un niveau comme elle est ça kende kaka na botosi ya respect ba constitution yoko lo banini mona mboka. D'abord, il faut qu'on rappelle ba congolais nyonso que la loi proposée par le docteur Noël Tchani Mwadiamvita est allée loi moko za ko discriminer moto mon côté. Vous savez, nous avons vécu dans ces pays na ba inyamboka. Ceux qui ont pris la République démocratique du Congo en otage. Ici, il s'agit de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et beaucoup de personnes n'en savent pas. On a été dirigé pendant 18 ans avec des prédateurs. Bateau, Zumbo, Cannabis, BBC, Économie, Amboka, Tozana Congo, Tozana moins de 3 milliards de dollars, le quoi, budget Amboka. Tozana Congo, Tozana Bateau, Batongi, Banda, Kwebele. La majorité ne sont pas des Congolais. Tozana Bateau, Bazuba, entreprise minière, Nyos, Bazar, Ogeré, Ango. Le pays a été géré par toutes ces personnes, au niveau de l'armée, au niveau de la police nationale, au niveau des services de renseignement, au niveau des entreprises, nous sommes alliés à l'État, entreprises, nous sommes alliés à DGM, à DGI, à DGDA, toutes les entreprises, nous sommes alliés à RVE, etc., prises par des prédateurs. Mais les Congolais sont restés si longtemps, si pauvres. Et lorsque tu es allié à nous, tu dis non. Nous voulons maintenant remettre la dignité au peuple congolais. Topé sabango responsabilité au bakoki kubango moko gérer mboka na bango en toute loyauté. Né Noël Tchani, l'homme très intelligent, il a jugé très bon puisque ce n'est pas la première fois proposer loi. Rappelez-vous d'abord avec sa proposition projet Naé le plan Maréchal, puisque beaucoup de gens n'ont pas lu ce plan Maréchal, le réforme sur l'économie, le réforme de la Banque centrale, il y a beaucoup de choses que Noël Tchani a proposé. Mais il s'est dit, pour que ce plan soit pragmatique et à l'exécuter, il faut l'exécuter par les Congolais de père et de mère, c'est-à-dire de personnes qu'on ne peut pas douter d'eux. Mais ce n'est pas une première fois en République démocratique du Congo va proposer la loi sur la congolité. Mobutu, à son époque, il avait inclus dans la constitution zaïroise sur si vous voulez être président du Zaïre, il faut être des pères et des mères. Moussa Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pays, il nous a fait voir comment le Rwandais, les Burundais dirigeaient les Congos. Lui-même, Moussa Laurent Désiré Kabila, avait des ministres rwandais. Lorsque la population congolaise va s'attaquer dans le Rwandais, dans le Rwandais, les groupes rwandais, burundais, dans le sol congolais, il y a eu même certains ministres qui étaient avec Moussa, qui ont quitté Moussa, qui sont allés chez leurs frères, qui accompagnaient Bandegona Bango. Vous voyez? Donc, même Moussa avait reconnu que l'armée congolaise était infiltrée au sommet. Ce qui est au Talibila, c'est l'eau. Talandemo qui est commis par terre. Donc, remettre tout sur les rails. Ça, c'était ce que le docteur Noël Tchani a proposé. Qu'on remette sur le rêve et dire quoi? On ne veut plus à partir d'aujourd'hui, tous dans la Rwandais, les Burundais, les Zambiens, les Juifs, les Grecs, les diriger la République démocratique du Congo. Imaginez, tous dans la présidente de la République, ou Azali Rwandais, Azali Congolais. Yébi Sangai, quand la RDC est la conflit dans Rwanda et que c'est la présidente de la décision. Quelles sont les décisions que ce président prendra? Il peut peut-être prendre des décisions en faveur du Rwanda, il peut peut-être prendre des décisions en faveur de la RDC. Et ça, ça remet en cause aussi beaucoup de choses sur la République. Et c'est pourquoi Batomi Bazaro comprendrait. Dans la proposition que Noël Tchani a faite, Noël Tchani n'a pas dit que je fais cette proposition pour écarter les uns les autres. Non. Il n'a pas dit que proposition de salaire pour nous écarter Tingi Pouloulou. Pour écarter Jean-Pierre Bemba. Il n'a soit clair pour nous écarter Moïse Katumbi. Non, mais écoutez, j'ai beaucoup de respect à Moïse Katumbi. Il est congolais. Hein, il est congolais. Mais s'il s'avère qu'il n'a pas un père congolais et une mère congolaise, mais il voudrait être. Il veut devenir président en vertu de quel principe? Dites-moi, il voudrait devenir président en vertu de quel principe? Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait quand il était gouverneur du Katanga? Qu'est-ce qu'il a à ça là déjà pour Katanga avancer? Allez-y. Moi, lorsque vous dites ça, tous les gens ont un peu parce que les Congolais, les diaspora, les gens ont un peu de temps. Tinda batba ki ndeko tuna mituna me misale ya Moïse Katumbi ezali clair to boite to sa la to sa la polémique ya Moïse Katumbi te par rapport ya proposition ya Noël Tchani ce qui est clair par rapport à ba défense na yo parce que belemozolo ba diaspora zolo na biso ezoko paraître bien pour na koyoka ki mutu so kazali na deux parties a ko ba te ko zo décision mais balobi ki ezali pe quelque part ndenge cité ça ko loba to lobi une façon ya ko kima déjà 2023 parce que Moïse Katumbi zo bangisa. Écoutez, au Bénin, USA,
la loi américaine et le biboué. Pour la cause de la président des États-Unis d'Amérique, il faut que vous ayez un sol américain. Sauf que vous ayez un sol américain, vous ayez un américain de père et de mère, vous ne pouvez jamais président. La preuve, Arnold Schwarzenegger, il est devenu même gouverneur, mais il a été privé d'être président. Tozui Obama. Obama, pourquoi il est devenu président? Obama, en réalité, il n'est pas américain, n'est-ce pas? Mais il est né sur le sol américain et il a eu le privilège d'être président. Dites-moi, où est la discrimination? Amérique, ils ont bien géré, Alors, nous, nous avions dit cela en vertu de ce que nous tomons en réalité. Dites-moi, depuis 18 ans, beaucoup ont géré pas banane. Est-ce qu'il y a eu croissance économique en République démocratique du Congo? Il n'y a pas eu croissance. Au service de l'armée, surtout, infiltration, il y a la police. Tozalaki na Kabila, il a été président, mais incapable de décréter état de siège, puisque lui-même était complice dans Babylone Rouen. Beaucoup de militaires complices. Le lot auquel a été à des sièges, vous aurez même appris qu'il y a des militaires qui ont été arrêtés. Des militaires complices avec les ADF. N'est-ce pas? La population ba Congolais ming ba ko sibiso ba autorité ming yambo ka ba ko sibiso sous Kabila. Okoro ka guerre eza na est ba lobi ce sont les Rwandais, n'est-ce pas? Okoro ka bitumbo eza na est ba bi eza Burundi, yebi sangai. Depuis état des sièges et komiwana. Tangelanga Rwandais nini bakangi. Tangelanga Burundi nini bakangi. 60% des gens qu'on arrête, qui créent de la zizanie à l'est de la République, ce sont des Congolais. Je dis bien 60%. Et on parle qu'il y a une guerre asymétrique, c'est-à-dire la guerre dont la population... On a des Congolais, il y a des demi-Dakar, des Congolais, il y a des pères et des mères. Je parle ici de Congolais, n'est-ce pas? Certains sont des pères et des mères, certains ne sont pas. Mais qui sont des Congolais complices avec ce qui s'est fait au niveau de l'Est, qui acceptent yako tuer, yako massacrer, yako ça les macabébélés. Alors, compte tenu de toutes ces réalités, 18 ans de la tracasserie, atrocité, 18 ans de la pauvreté, mon cher frère, est-ce qu'on peut laisser les Congolais, ça l'a toujours géré par des gens qu'on ne maîtrise pas? Tant que ça, quand le Babademi Dakar, ça veut dire quoi? Quand le Babademi Dakar, ils ont insulté. Ça dit qu'aux Congolais, des pères peut-être, hein, et pas des mères. Aux Alli Congolais, tu peux yoter. Tu peux venir au Congo être député national, ce n'est pas un problème. Tu peux légiférer la loi, tu peux contrôler le gouvernement, ce n'est pas un problème. Tu peux être chef d'entreprise, ce n'est pas un problème. Tu peux être gouverneur, ce n'est pas un problème. Mais tu as une responsabilité à gérer la République, la président de la République. On ne peut pas attribuer la présidence de la République à n'importe qui. Yébi Sangai, Chinois, Lungwe, Chine. A une nationalité congolaise, a fondé dans le Congo, Mbalamara a opposé candidature à la présidente, Bonzimie. Et il va diriger la République démocratique du Congo, puisqu'il a plus de compétences et de l'intelligence. Non, Mobutu l'a fait, là, sous Mobutu. Et Mouzé l'avait dit. C'est quand Kabila est venu, il a ramassé tout, les Azarias, Robé, Roi, Ayeli Bissaba Fer, Minembwe, rappelez-vous. Minembwe, et donc il voulait donner la commune de Minembwe au Banyamulenge. Rappelez-vous ce qui a été fait. Et puis il va là-bas à Zakolobakenor. Le président de la République a trouvé que Minembwe est une priorité des priorités. Or, le président n'était pas informé. Donc on veut prendre une partie de la République, octroyer ça, n'est-ce pas, au Banyamulenge. Yebi Sangai, pour Azarès Robert Azara, candidat président en 2006. Ce qui a combattu le président de la RDC. Minembwe, il y a des Congolais? Non. Vous voyez, ce que l'obibisoto tika. Qu'il y ait des gens pareils, bah j'irai beaucoup. Non, venez-y, venez investir. Mais le fait de si vous voulez être président de la République, soyez Congolais de père et de mère. Voilà. Alors, moi, Mboka, Eric Tshisoaka, toujours rappelé, na ba internet, sinon, ce que tu as mis, Eric Tshisoaka, en tout cas les savants, vous avez un loba. Moi, Mboka, nous avons brossé Penza, situation en haut, ça prouve que ça la maîtrise. Ça prouve que ça va vous expliquer, les Congolais, nous allons comprendre et que vous avez un côté. Pour que déjà victimisé, ils se sentir bon, ils allaient pour l'intérêt général, je pense, selon Badinayo. Alors, moi, je suis là qui peine à dire que je suis là pour que je na niveau de lobby, j'ai dit que je suis là l'Assemblée nationale. Pour que déposé en haut, je conduire pas à moi, je Tingi Pouloulou, député national. Et puis, selon les commentaires, ils allaient que 250 députés allaient soutenir Idewana. Est-ce que déjà. Et ça là qui n'anze là et côté na katia parlement. Bozoko espérer que ma démarche na bino et qu'atteindre objectif na yango et qu'osa la voter
et que lobby et tout cela sous ce débat est beauté et comme benande en application. Très bien. Garantie Zali. Je vais d'abord rappeler les gens qui ont un principe normal hein, au Isalaka au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'un honorable député a proposé une proposition de loi, il a proposé une loi naïe, bas à réception à Kango, bas même on a bureau. Commission PAG a fait une étude sur la proposition Wana, Batala a été conforme à la Constitution, Batala tout va toucher, et puis après ça, va mettre au bureau à Tali et qu'il y ait un débat, va bandir que ça a un débat par rapport à cela. Mais vous savez, mon cher frère, je pense bien si nous avons des députés sérieux qui ont vécu la souffrance de la population congolaise. Je parle des députés sérieux, au bas corrompre Bango. Parce que toi, il y a des gens qui corrompre Bango. Oui, Mboka Oyo. Les gens regardent beaucoup plus l'intérêt na Bango. Bata intérêt à la population congolaise. La population a connu comme jour et nuit. Je vous informe, nous sommes dans la cité. Tokitakati n'a pas intérêt sur le terrain. Nous regardons comment le peuple vit. Le peuple souffre terriblement. Donc si les députés nationaux sont corrompus et ne veulent pas à ce que l'OAN est le cas, même n'avoir un référendum de Kokende Nango. Même la voix de la population, c'est la pétition pour que le peuple accepte que cette loi soit. On a besoin d'assurance que la population est belle derrière cette loi. Nazoy Bisayo, ça là, mais quand il y a un micro par-ci, par-là, je t'informe que 99% de la population congolaise est d'accord avec la proposition de la loi de Noël Tchani. Y compris la diaspora. Y compris ce que je retourne à la majorité de la diaspora, sérieux. Moi, je parle avec toutes ces personnes-là. Au moins, la Moutayebi, il est congolais, mais il te dit que, mon cher frère, ce que vous avez proposé là-bas, c'est pour sauver la RDC. Mais Bango Bakima Bakina Poto, pourquoi? Pour aller se chercher. Puisque au Congo, il y a une difficulté à trouver quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voulons leur donner l'avantage à la République démocratique du Congo, investir. Puisqu'ils sont allés apprendre. Beaucoup sont allés apprendre. Beaucoup sont devenus chefs des entreprises. Il y a des gens congolais qui sont chefs d'entreprise. Ils ont pour investir. Ils ont dit qu'ils ont un ministre rwandais. Ils ont un pourcentage. Donc, monsieur, si vous avez un dossier, il faut donner un pourcentage. Et il se sent qu'il est dans l'incapacité de pouvoir investir. Il rentre, il va investir ailleurs. Nous avons des Congolais ici qui ont investi ailleurs, qui ont investi en Zambie, qui ont investi en Afrique du Sud. Pourquoi? Puisqu'il y a d'autres Congolais ici, d'autres Rwandais, Burundais, qui sont devenus des ministres, qui ont refusé aux Congolais de venir investir. Je vous donne un exemple. Mutombo dit qu'il n'y a rien à Congo. Pour investir dans ton hôpital, il y a bien à Mutombo. A combien de Kinshasa, à son espace pour Atonga, à côté qu'il y a un espace à Likolo. Par qui? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait des gens comme ça, qui ont fait de Congo bon à Bango. Bonjour à faire au Israël Mutombo, que je salue en passant, venez de vous dire, les cartes et visa dont la Banque centrale octroyait à des personnes, plus de 100 personnes. Et vous verrez dans la liste de plus de 100 personnes, beaucoup qui ont été cités là-bas, ils ont la double nationalité, ou d'autres sont carrément qui ne sont pas des Congolais. Vous voyez? Et si Luana, il y a dans beaucoup de dossiers, n'a pas fait Ukangalozo, n'a pas fait Rebele, vous trouverez que les gens se sont appropriés de ça. Oh, il y a ça géré entre entreprises minières, oh, Mokonzi Afek. J'ai été sidéré, surpris. Que le président de la FEC, à Koloba, non, nous avons été surpris, on nous a trompés pendant que nous gérons, le Congo a signé des contrats avec certaines entreprises et nous étions au Congolais, bien à Souboul. Mais vous voulez blaguer avec le Congolais? Vous avez géré la Gécamine pendant plusieurs temps. Mongue côte à côte dans l'État, et côte à ma poche, moi, un président de la République, je vais arrêter Yuma. Puisque ça, c'est détruire le Congo. Alors, maintenant, nous avons pensé à ce que remettre le Congo aux Congolais, n'est-ce pas sérieux de le gérer. Ça ne veut pas dire que tu as une expertise, il y a un tu as un ministère de la souveraineté, puisque la proposition n'est pas simplement pour être président de la République. Alors, Biboué, à verrouiller présence de la République, là, c'est Noël Tchani. À verrouiller aussi ma poste et responsabilité à l'Ikolo. Tu poses tous à la ministre de la Défense à Tayomoku, tous à la ministre de la Défense rwandais. Tous à la ministre de la Défense rwandais. Tous à la ministre de l'Intérieur burundais à Tayomoku. Tous à la directeur générale, il y a ANR, burundais. Est-ce que ce monde a danger à Kouya Lobby? Ce qu'on peut se dire à la Wanati. 1997, nana y a bisou rwandais. Nana côté ici bas rwandais dans la République démocratique du Congo. C'est Mouzé, lorsqu'il est allé chercher les Rwandais pour affronter Mobutu. Et ces Rwandais, ces Kadogo sont venus. Ils ont, comment dirais-je, ils ont pris toutes les tâches ou les responsabilités qui appartenaient aux Congolais.
na pesa yo devoir kenela ba entreprise nyoso ya Congo okuta kuna mina sema huko unaenda wapi et tout ça et ba musu ba yakolo ba kinya Rwanda et tout ça. Vous regardez, la majorité ce sont des Rwandais, des Burundais. Dites-nous, maintenant nous laissons le Congo à qui? Vous voyez-vous? Donc, nous pensons et nous disons à ceux qui nous suivent. Noël Tchani, avec Ntingi Pouloulou, l'honorable, qui a porté la charge d'apporter cette loi-là aux députés, en fait, que cette loi-là soit votée. Nous croyons que ça sera voté et qu'au l'écart. Et je vous affirme que la loi passera. Et j'aimerais rappeler aux gens, certains disent que le président Félix Tshisekedi aiderait cette chose-là. Non. Le président Félix Tshisekedi n'en est pas responsable, puisque ce n'est pas lui qui a dit à Noël Tchani va élaborer cette loi. Non. Lele Kominini, Matata Ibimbongo, Tanga Ibimbongo, Bakye Kobalu Kabakangaye Ote, Alinga Zalaloli candidat président. Papa. Yo Ibimbongo à l'État. Bakangaye Ote pour Rosala candidat président. Katumbi. Ma proposé loi à Monique Ndengazawana, Yemokaza Kobanga, Tata na etoza oye bate, maman na etoza oye bate, Yema bandi Kobanga. Ote loka ba ko proposé loi na, c'est pour écarter. Qu'est-ce que ça paye? Ça paye moi clair, er moropezo mon na paye, po kote on anime tozo bangi sa makasi, po ma candidat mingo tozo mon na baza penda potentiel, ba kogui pe ko affronter 2023 na son excellence, c'est ça ka batou na, emo tozo bangi sa. Vital Kamere nan mopanzi, tigali Kamere. Katumba za makasi wapi? Na mututo, mwana mboka yo kogui ko wanga na pe Katumbi te na mboka. Je demande la tête ou l'argent? Parce que s'il faut parler de l'argent, Moïse Katumbi a de l'argent. Aza mouto aza ko satisfaire ba besoin pe population. Besoin nini? Yo ebisanga ozana Congo, besoin nini Katumbi? Il a géré Katanga, on le sait au début du résultat. Géré Katanga très bien, mais je vous informe que Katumbi est plus riche que les Katanga. Moi na mboka, ta la caméra na biso ya Kleboa, j'aimerais que yo meka ko expliquer na minute muke. Ba tu ba retenir eloko moko na loi Tchani. Yoka, j'ai informé aux gens. La province du Katanga là. Hein, qui a été géré par Katumbi. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Katumbi est plus riche que cette province. Je parle de la personne de Katumbi. Gouverneur depuis 2006-2007, Tiba 2000, je crois, 16. Tangaye, il y a Kabona na Kabila rapona lokoso, alingaka comme président de la République. Kabila pas habité aussi Mbate. Tangabalu keli Kabila. Vous voyez un peu ça. Il a géré les Katanga, il est devenu plus riche que les Katanga. Dites-moi combien des entreprises que la Katumbi a créées au Katanga qui a donné de l'emploi à la population katangaise. Dites-moi, le salaire yaba Katangi est commun à niveau nini. Yabi Sangai a géré l'entreprise minière Ming. Mbongwane et continue à recette ou continue à budget l'État combien? Tout ça n'a plus de tout ça n'a moins de 3 milliards de dollars. Vous allez me dire que Katumbi a géré bien les Katanga. Vous voulez parler ou soit vous comparez gérer Mazembe avec gérer une république? Mais Mazembe, nous savons comment il a géré Mazembe. Moi, je suis supporter de Mazembe. Je t'ai dit, non, je vais pas en passer. Je vais dire, non, pas les cas. Moi, je suis supporter de Mazembe. Ils allaient club, il y a République démocratique du Congo. Mais je ne peux pas accepter, même si Moïse Katumbi a président de Mazembe qui a géré République démocratique du Congo, la République Rwanda. Je ne mets pas en cause. Il était gouverneur. Il était gouverneur du Katanga, il a géré les Katanga, mais on ne peut pas dire que Katumbi a très bien géré les Katanga, non. Il a ses ambitions, oui, on ne refuse pas. Mais Katumbi peut devenir encore gouverneur, qu'est-ce qu'il interdit? Katumbi peut devenir encore ministre, qu'est-ce qu'il interdit? Personne ne l'a interdit. Mais pourquoi il cherche toujours à être président? Je vais vous dire une vérité. Si aujourd'hui, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, commence maintenant à auditer la gestion des anciens gouverneurs de la République. Monsieur Katumbi va se retrouver en prison. C'est un autre dossier. Le mot fungola na plateau. Épargnez-nous. Épargnez-nous dans le dossier. Mais yo kaka. Pour ma tête, pas aucun des, n'est-ce pas? Azaré ancien ministre. Mais tu as besoin de ma solution. C'est na kuna. Ils ont commandé une nippon à bango. Oh, ils sont intéressés dans la minute. Kuna Sénat, ils ont kende le niveau ni. Très bien. Au sein du Sénat, le bureau du Sénat. Avec le professeur Bahati, modeste, bah, l'Eva qui a bah, immunité parlementaire et M. Matata. Matata a été appelé par rapport à un dossier à Zarianisation. Voilà, alors il ne s'est pas expliqué très bien au niveau du bureau, puisqu'il bah, fallait à se présenter, à s'expliquer. Tant que comme Iwana, je viendrai dans 7 jours. Après 7 jours, il n'avait pas de pièces vraies, démontrables, pour que le bah, bureau a mis peut-être qu'on croire naïe. Alors le bureau a jugé très bon. Il y a continuer la justice pour qu'on se présente. Mais vous allez vous rappeler que Matata attend Mazagil Bandambokalba qui viendra pour affronter la justice. Donc, si lui a dit qu'il viendra pour affronter la justice, c'est qu'il s'avère que M. Matata pourrait peut-être avoir argument, tout à cause de l'élément, il y a défense. Alors,
Si lui sait qu'il n'a pas détourné de l'argent de l'État, qu'il se présente au niveau de la justice et que la justice fasse son travail. Puisqu'on en est de trop, en fait. Mon imboko est tourné là-bas détournement et belé. Et il n'est pas la seule personne. Au niveau du Sénat, basé belé, José Makila n'a pas autant gagné. Moi, je n'ai pas peur, j'ai toujours dit, je cite les noms des gens qui ont détourné. José Makila par Roland dans la Sima. À part José Makila, bah, Chio Ketun par Roland dans la Sima. Je vous informe que José Makila va partir aussi. Après, Chio Ketun par Roléka. Je vous informe, les Chio Ketun vont passer. Il y a beaucoup de gens, les deux sont là. Bazé Bélé, ne bazan par Roubanga. Vous savez que ma tata aurait, n'est-ce pas, corrompu, tant qu'on a petit réquisitoire à Liboso, certains sénateurs à $12,000 à chacun. Nous, on a été informés, nous sommes à la source, nous savons ce qui a été passé à corrompre Bango. Ils sont encore venus pour nous corrompre bureau, mais ce qui n'a pas été facile. Hein, ce qui n'a pas été facile, puisque ce va m'égayer qu'on corrompre sous bureau, je crois que Bahati devrait se retrouver Libanda et Makamboué Bélé. Il a compris qu'il faut jouer à la sagesse. Et bien, comme il a trouvé que Matata n'a pas de preuves, il a livré. Matata va se présenter au niveau de la justice. Dossier Zali Bélé 1, détournement, Yambong et Azarenisation. Ici, on parle de $100 millions. J'ai eu des informations. $100 millions. Azarenisation. 2, dossier Boukangalonso, plus de $300 millions. Détourné par Matata. 3, Oyo, bah ça qui bino baro tonga la bino aéroga modi modilaire ceux qui mènent mouyo batonga kawana. Oyo bah Makila kenda kawana aza kongoma libuswa kabila zuri bumatia ngoti na genou. Vous allez vous rappeler de ça. Mbongo kenda wana basala ngoti. Ko bongo ça ba aéroport ni soir. Ba aéroport en bus ça salité. Aéroport international de Kinshasa ou Isaïe ceux qui ont joué Isaïe aéroport à salité à Sony. Na tangela ma kamba ba. Maître, na yina tuna mbongo ka kozo continue ça maloba. En tout cas ba kongola zo rappeler que na yambi Eric Tshwaka nous allons chiter très bientôt mais parce que na cité bazol baké ba longoli immunité ba akay ko samba na juste par rapport ya dossier Bukangalonjo. Est-ce que vous affirmez que ndenge akay pour na zarianisation dossier wana et que vous allez pas ba continuer ba accessus musu sur le corps na ngo bien ba ko se limiter na o ba bengeli au moni moyibi so ba kangié moyiba iba au téléphone ba zui ba kangié ba tu na venir ba koyé belé wana na wana na ah tali ah ngaba iba ngapelo ko boye ayina na ba elema ngapi ba iba ngero ba ngo tu ba ye moi ba ngo ye yo nta iba ki biso tout le monde viendra avec des preuves et puis je suis sarota la tali est ce que ça ngo mon appel moi iba ngo so y prêcher le kimingi abandi ko nzima ko za ko mona o te zungu na yena kenda ko chawe pa ba voisin o te tv na yena te ki sa ki yena te ka ngi pa master tel rappelez-vous na dossier Vital Camire ba bengela ke pona nini on va bien aller on a pour des maisons préfabriquées n'est-ce pas non et à comme kuna et makamose bimi baso des moutons makamose bimi et tout ça tout était arrivé mata ta ba bengié d'abord il faut que ba boso pour guérir à bengela qui est pour na dossier ya Bukangalonzo oh ba sénateur ba boy qui kotinda ye et ba kotinda deuxième oh kangi est cause réalisation azar ba dokimaté tant qu'on se retrouver là-bas il y aura encore des dossiers sur dossiers puisque matata s'est fait riche. Imaginez-vous, il est économiste, si c'est financier économiste. Un expert en économie qui devient, n'est-ce pas, un architecte. Akoye, azumbongo puna, comment on dit ça? Pour le Congo, azumbongo puna kochana économie en boka. Olembongo mambongo est la musala pour l'économie en boka. Automatiquement, mambongo angwe baluki et kego tongela université. Je vous informe, l'université Mapon est plus propre que l'université de Kinshasa. Je vous informe que l'université Mapon est plus équipée que l'université de Kinshasa. Mais bah étudiant a continué d'avoir une bourse qu'il a retenu ailleurs. Donc il a pris l'argent de l'État, il en a détourné pour construire l'université. Et du bisous que les photos se taire, toi, que non, ma tata, parce que l'élevé immunité parlementaire n'a été, puisque toi, que la cravate n'est rouge, n'a veste n'est noir. Donc il y a la cravate rouge, bah tu la tarangote, puis ça peut être la tarangote rouge. Donc ça veut simplement dire que monsieur Matata, tel qu'il sera, il va se présenter au niveau de la justice, je vous informe et je vous rassure ici sur votre chaîne que Matata sera arrêté, n'est-ce pas? Et il va répondre à la justice et Mbongo Nyon Sobazwa qui a l'État, il faut Bazongi Sango, puisque Zali Mbongo y a contribuable congolais, c'est-à-dire Mbongo Nayo, Mbongo Nanganandengenini. Lorsque nous payons des taxes et des impôts, n'est-ce pas, l'État Zwakango. Tant qu'on a reçu un bonbon à 100 francs, au foot, on ne pas qu'on a eu un bonbon à 100 francs. Puisqu'il existe des taxes indirectes et indirectes. Les taxes indirectes, c'est ce que la population des fois paye. Vous comprenez? On a reçu des locaux, on a reçu des savants, on a eu un pesant à 4. Soit imaginez-vous, mon toit est en train de pour acheter, à Tchela Gibiso Makambo, il y a bancarisation. Et si le comptable est en train de se faire, il y a un comptable qui est en train de se faire.
bakanisation esungaki bato bamoni bambongo ebimaki ebele oyo ebandaki koleka na bambongo ya maboko ya bato bandaki kofuta na maboko wana mpe ondimi yango te misala mpe tondimaka mpe ya moto mwana mboka projet bancarisation en principe ce n'était pas le projet de matata c'était le projet d'Adolphe Mozito ça c'est la première deuxièmement la bancarisation ezalaki bien malamu puisqu'il fallait remettre tout kocontrôler makambo tout mais ce qui est vrai quoi esika bato bandaki kovole 1000 moto moko azwi bato yango atye mabo mopanzi ye arécupéré yango au bien niveau à fonction publique hein. Ça avion ainsi avion nini. Oh bah quand tu n'y pour émettre. Yo moni avion bazo quand tu n'y gagnes avion pour mettre. Monsieur c'est gendarme émettre qui tire bande la sur les tambours ratés. Bakaraka si akala. Vous voyez. Donc c'est regrettable. C'est pour vous dire que na place il y a 2000 4000 10000 personnes bandai koiba. Matata bandi koiba ngo. Projet bancaire c'est ça qui m'a bêté. Mais il s'est fait tellement riche. Est-ce qu'au bien niveau à fonction publique. Ce que j'ai information, nous avons 1 million pardon, des agents fictifs dans la fonction publique. Au bon Isaacobima et les carana banque. Batoana va exister à côté. Ce qu'on ne regarde pas nani. Pour bah comptable basé sur société. Dites-moi maintenant quand on va interpeller un monsieur comme ça, ce monsieur a volé notre argent. Voilà. Et donc moi je voudrais qu'il se présente. Il a encore présumé jusqu'ici là. Il est présumé détourneur, mais je vous informe qu'il sera arrêté. Il est présumé détourneur puisque l'inspection générale des finances a fait son travail et l'inspection générale des finances qualifie Matata d'un détourneur. Ça, c'est l'inspection générale des finances. Et maintenant, il donne les dossiers à la justice. La justice sait qu'il est détourneur. Mais comme il est encore présumé innocent dans le sens ni, il a s'est présenté dans un élément de preuve naïe. Mais dites-moi, Moussalo Alingeta Sali, il y a qu'on contredire à un dossier ni. Wana bolandi bongo mwana mboka Eric Tiswaka en tout cas mutu ya mayele mutu ya bongo ndenga za kopesa kasi mwana mboka tango ezali tango lelo to suki pona mwana ngonga moketo soki nanga ko boselo ko mwana moke par rapport ya actualité pe libana mboka parce que tantôt ko lobia pe awa to ko landa pe actualité ba ninga pe ninga ko leka boka ngami ya mwana mboka Jacob Zuma lelo mwige alali deuxième nuit na prison et pesamo leso pe pona ba kambi ya mboka. C'est une très bonne question parce que vous savez Makamba Zuma, ça interpelle l'Afrique, hein? L'Afrique, puisqu'on pense gérer Tokan Sakaso, Tozap, au commis président de la République, Mboka Komi Ayo. Le lot wana Kabila, Aibi Mbongo ya Congo, qui est au Tonga Kinga commission site touristique, par exemple, Souba Betele Maboko, au Kinga Kinga Kati, on a trois avions, à Tiba Night Club, Batba Kinga Romila Masanga, Balang Wakana Kati, et on trouve ça normal, hein? On ne sait même pas auditer pour voir gestion Aïe. Jacob Zuma, pour lui, c'est à applaudir. Vous savez, quand on prend l'état de droit veut dire quand on gère, il faut savoir comment gérer. Je crois que Misberg, à l'Obangou, na théorie, n'est pas bien à la PODEC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Il vous montre qu'est-ce que doit faire un gestionnaire? Puisque quand on est président de la République, on est gestionnaire. On est redevable après. Hein? Donc il faudrait que ça la n'engue sengeli. Zuma travaille, mais Zuma a yibambongo ya ebele à l'État. Zuma somi ma pango mingi. Zuma bali balsi mingi. A corrompre pe mingi. A sali ma bouzo ba mingi en Afrique du Sud. Mais lelo ba kangiye. Et puis moto a remplacé la komuna ke tala wazaki iboso nangayi a yibambongo ya l'État ba kangiye. Biso pe toko sepela yete lobby. Ndele oto ko mona ichefa ko salati. Kala mi te matata ko kende, nenge wili ba konga pe akeyi, nenge pe kamera akeyi. Lobby ap demain après demain. Donc les anciens présidents ba Jirambo Kanabiso, hein, neti Kabila, neti ngala salubaka mingi pona Kabila. Un jour ba kongola ka moete a mona monsieur Kabila na ba ministre na yebele na boloko. Et puis même Félix Tshisekedi, ce qui est pas géré ma bé. Il n'y a pas besoin de Mukamate, puisque nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire le respect des principes. On ne veut pas, ça ne veut pas dire que si je suis président de la République, que je peux tout faire. Si je suis président de la République, n'a pas dit que gouverneur banque centrale, je veux que tu m'envoies 1 million. N'a justifié en haut, 1 million en vertu de quel principe? Non. Ils ont bon à l'IOTE, ils ont bon à l'État. Donc, ils ont l'exemple, Oyo, Afrique du Sud, ça va payer Bélé Afrique. Et puis, ce pays photo, ils ont exemple, Wana. Donc, ils ont l'important. Donc, ceux qui sont en Afrique du Sud, ou bien Afrique du Sud, l'économie n'est pas avancée. Hein? Afrique a avancé, ma casse n'est pas secteur rébellé, surtout dans le secteur tourisme. Afrique a coûté à peu près, si je ne me trompe pas, par mois, si je ne m'abuse pas, 12 millions de dollars dans le secteur et tourisme. Mais il y a eu le secteur n'est pas tourisme abandonné. Il y a eu le secteur minier. Au monde, il y a eu le secteur minier. Il y a eu l'agriculture abandonnée. Donc, nous pensons que ce qui a été fait au niveau de l'Afrique du Sud est un exemple pour la République démocratique du Congo. Voilà, merci seulement cette question moi mboka ndeto zoko kabola na yo pendant tout cas tu pesa vraiment merci na balani mine ne pas ko tala biso depuis Bruxelles en tout cas moi mboka l'économiste Julie
Tayaye, Jili, Tayaye, en tout cas, motema ya papa Pierre, Jess, Mosso, bien mozana Bruxelles, kuna merci nde, bon, on confiance, pour moi, on va continuer. Moussala kito, komama Jili, Tayaye, motema ya Pierre, Jess, Mosso, topé si on bote, pourquoi pas Rigan Ngambo, babi partenaire, nangai moko, Rigan Ngambo de Paris, hein, en tout cas, nous la colia kito, kopo, moussala oyo. Tous, c'est là toujours ma soutien à Bino. En tout cas, Rossi Ndombi, Oza Kitoko, Penza, Bosala, Moussala, Kitoko. Pitu Mangaya, Wana Tobi, page Facebook, Bola, Narabiso, Wana, Bokos, Benfonsu, Kitoko, Boss, LED, en tout cas, Mbanda de la Nation, Tobosa Niote, Moussala, Kitoko, Mwana Mboka, Eric Tusoka, Toya Mbaki, Lelo, Tolingi, Mambo, Temo, Luba, Sukamu, Kie, Penza, Zala, Moukouse, Poto, Suka, Lelo, Peto, Zomba, la Sima, Poto, Moniki, Malobezale, Bele, Met, Tokangi, Pona, Moukola, Lobong. Oui, Maloba, Suka, Zali, Toba, Tela Congo. Nous avons toujours sur côté na page Facebook nanga Eric Tshiswaka. Sur mon na publication sur ça la nabaka toujours Congo il fait bonga. Puisque ce Congo bungi te passe na biso. Qu'est-ce qu'on va léguer à la génération Oizakoya? Batumi balbaga la jeunesse et l'avenir de demain. Moi j'ai toujours na boya rélo kwana. La jeunesse et l'avenir de maintenant. Si on n'arrive pas à faire maintenant, il faut pas parler de demain, il faut pas rêver. Il faut l'autre lelo, l'autre lobité, l'autre lelo pour l'obéza la malam. Et donc je crois que c'est ce que je peux dire tous à la bomoko. Congo et Kokabonate, discrimination et égalité de père et de mère pour gérer la République démocratique du Congo. Merci Nabao Balandi Bisso et puis merci Naba Congolais. Nyon sepi, merci Nandeng Nayo, aux Zwinga à pied levé. Tout ça dit quand même moi émission Ngo, Nasepe Limingi. Donc c'est ce que je peux un petit peu dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci Banambo Kabotika la toujours Nabomo Kotolobi. Congo et Kokabonate, Ndenge Monambo Kaperik Tisokalobi. Congo Ozali et Bakoko Nabiso, Congo Ozali Abiso, Topé Samaboko, Namokonzi Mboka, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ozali, Président de la République, Akokamba Mboka Lelo, Alingi, Tokende Nabosembo, Alobi, Respect Mibeko Ezala, To soutenir Yé Makambo Ezala Malam, Botika Corruption, Totika Kordé, Tourne Mbongo Babengi Moibi, Totika Kosala Makambalo Koutato, Lukabolingo ya Congo, Poete Lobby, Ba Congolais, Ba Zopé Bosomi Bwabango. À travers cette émission, Somi bosomi ya Congo neto ko lukebi bosomi ya Congo lelo tozaki na mwana mboka Eric Tshiswaka na ebike bolandi biso bosepeli merci matondo mingi na Cordon Franklin en tout cas masiala ndengo zeli ko sala pe musano kitoko ngai wabino Alain Ndongo tolobi soki soutien zali et ko sunga pe po ete musala oyo ekende liboso merci na kolo nzambe yende mobateli tika kimia boboto bondeko ya kolo esu etikala o mabota mabino.